Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, unboxing aujourd'hui de broderie et de diamond painting avec la boutique Everyday Deals. Donc voilà, j'ai reçu mon paquet ce matin. Bon, ça a mis un peu plus de temps que d'habitude, mais là ça va pas beaucoup. On avait discuté par email le 10 août et c'est arrivé aujourd'hui, donc le 26 août. Donc ça va, bon. Une quinzaine de jours à peu près, donc il n'y a pas eu vraiment de problème. Bon, il y a des petits retards en ce moment, mais c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les boutiques. Donc sinon, ben voilà, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, j'ai deux DP et j'ai deux kits de broderie, voilà. Alors, je vais me mettre tout de suite face bureau pour vous les montrer. Ce sera beaucoup plus simple. On se retrouve sur le bureau. À tout de suite. Alors, nous voici. Nous voilà avec mon paquet. Voilà. Alors, c'était un grand sachet aujourd'hui que j'ai reçu. Alors, hop, on va tout sortir. Mettre le sachet sur le côté. Alors, bon, écoutez, on va commencer par les broderies, si vous voulez bien. Attendez, je vous rebaisse un petit peu. Excusez-moi. Non, si je baisse trop, ça ne va pas. Désolée, hein, c'est à l'arrache. Hein. Et je vais essayer de vous mettre le flash. Voilà, c'est mieux, on voit plus clair. Alors, les DP, ce sera pour après. Alors, j'ai une Joy Sunday. Voilà, et une DIY cross-stitch, je me rappelais plus. Allez, je commence par la Joy Sunday, c'est la plus petite. La voici. Bon, j'ai déjà mis mon étiquette. Donc, celle-là, c'est celle du mois de septembre, les fleurs du mois. Donc, là, c'est pour le mois de septembre. Des marguerites, on va dire, violettes, voilà, ça, comment on appelle ça, des astres, celle de couleur, c'est des astères, oui, non, c'est des astères, ça, voilà, donc, violette, on va tout sortir. Bon, comme d'habitude, hein, mais bon, je ne vous réexplique pas, mais bon, peut-être si, peut-être pour les nouvelles. Dans les Joy Sunday, elles sont toujours emballées dans les pochettes plastiques zippées, comme ça. Elles sont très solides et réutilisables. Moi, je les garde si j'ai des broderies qui n'ont pas de pochette comme ça. Dessus, vous avez toutes les explications. Comment dédoubler votre fil. En CT, il en faut 3. En 14 CT, il en faut 2. La lecture ici du patron, enfin de la toile ici. Comment choisir du coup son fil par rapport à la couleur que l'on voit. Et ici, c'est sur le papier. Voilà, c'est sur le patron papier. Ensuite, comment on commence sa broderie. En bas, on a toutes les explications, alors les croix, les demi-croix, les quarts de croix, les trois quarts de croix. Alors, vous savez que je ne dis pas les mots en anglais parce que je n'aime pas. On est en France, je dis les mots en français. ici, c'est... comment on peut faire? Oui, c'est une autre façon de faire ces croix aussi, je crois. Oui, c'est ça. On nous montre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, dans quel sens il faut aller. Mais moi, je ne les fais pas dans ce sens-là. Moi, je les fais à l'envers, les miennes. Voilà. Bon, toujours autrement que les autres, mais bon. Ici, pour le point arrière. Ici, pour les petits points droits. Ça, je ne sais plus le nom que ça a, ces petits points-là. Voilà, au lieu de les faire en diagonale comme ça, ben là, ils se font droit comme ceci. Et là, pour faire les nœuds.
Et on vous explique également pour le nettoyage de votre toile une fois que vous l'aurez terminée et pour le repassage. Alors, donc voilà le modèle que j'ai choisi. Donc c'est un 14 CT. La toile entière fait 17 cm sur 17 et le dessin en lui-même fait 12 cm sur 12 cm. Voilà. Donc quand vous voyez les mesures là, c'est toujours les mesures hors tout, c'est-à-dire la toile entière avec les bordures blanches. Ici, on va avoir notre patron, le patron papier. Oh, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Là, en bas, vous allez retrouver la légende qui correspond au patron papier. Ici, voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec les couleurs A, B, C, D. Donc ça, ce sont la légende pour le papier. Et ici, vous avez les références DMC. Voilà. Bon, là, c'est écrit en chinois, mais on comprend, puisqu'il parle de 9 CT, 11 CT, 14 CT, mais ça n'a pas été coché. Mais ici, c'est du 14 CT. En nombre de points, ça fait 65 points sur 65 points. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites broderies. Et sinon, niveau impression, voilà, je vous mets dans ce sens-là, on verra mieux. Vous voyez, c'est nickel, hein. Alors, il n'y a pas de confetti. Là, il n'y aura pas de confetti sur cette toile-là. Et la toile, la voici. Alors, elle est dans le bon sens, hein, ce sera mieux. Elle est surfilée sur les quatre côtés. Donc, il n'y a pas de risque que votre toile s'effiloche. Donc, ici, vous avez votre broderie à faire. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas... J'appelle pas ça du confetti, hein. Vraiment, là, ça va être les doigts dans le nez. Ici, vous retrouvez en bas la légende pour les couleurs, avec les symboles. Et là, donc, celle-ci, légende, correspond bien aux couleurs de la toile. Voilà. Là, on vous remarque le nombre de points, le titre de la broderie en anglais. Voilà. Et les couleurs. Alors, je vais prendre ma petite feuille. Comme ça, on voit mieux tout de suite les couleurs. Alors, vous avez ici le petit sachet avec les deux aiguilles. Et donc, voilà vos couleurs. Là, un petit peu plus foncé que celui-ci. Là, un autre violet. La palette de vert, avec un autre vert ici. Ici, encore deux autres violets. Un plus foncé. Là, c'est le plus foncé. Le moyen est un peu plus clair. Et ici, ce sera pour les cœurs des fleurs. Alors, on a un orange, une autre sorte d'orange, un beige, un jaune pâle et un marron glacé. Voilà. Donc, de jolies couleurs pour ce kit. Donc, c'est pareil, hein, c'est une broderie qui se fera assez rapidement. Je pense, alors, dans ma dernière vidéo, je disais, je les ferai peut-être une par... J'en ferai une par mois. Et comme celle-ci, c'est le mois de septembre, ben, je pense que je commencerai par celle-ci. Voilà. Tant qu'à faire. Le mois prochain, on est bien dans quelques jours, là, bientôt. Hein, c'est dans... Lundi, c'est les écoles, hein, déjà. Bon, tu rentres. Bon, je rentre. Je vais le ranger après. Un DIY cross stitch, voilà, avec une jolie fée. Je vais vous la déballer, vous la verrez beaucoup mieux.
Voilà. Donc, voici le dessin. Je vous remets, pour tout ce que je vous montre, je fais comme d'habitude, hein, je vous remets des photos. Vous voyez, hop. Voilà, elle est très jolie. Ensuite, on va avoir, alors, non, il est coincé derrière encore. Oui, voilà. Ah, mais il est en papier glacé aujourd'hui. On a le patron, mais alors je n'aime pas du tout, moi, ces patrons-là. De toute façon, chez DIY Cross Stitch, on sait qu'on aura ça comme patron. Pour moi, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petits. En plus, vous voyez, ça ne fait même pas la feuille. Ils font 19 centimes, 19,5, bon, un petit 20. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop petit pour lire le patron. Alors, vous allez retrouver ici le dessin, voilà, de votre broderie. Là, c'est un 40-50. Sur le côté ici, vous allez retrouver la légende avec les symboles. Et bon, je me répète toujours, les symboles correspondent au papier. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus pour les DIY Cross Stitch, mais ça correspond au papier. Et vous avez vos références DMC et les vraies couleurs des fils à broder. Alors, on a beaucoup de fils. On va les regarder après. Et donc, voici le dessin. Alors, attendez. Parce que là, la toile est un peu grande. Donc, je vais vous bouger un tout petit peu. Voilà. Donc voilà la toile. Ah oui, c'est du que je regarde sur mon cahier. C'est du 11 CT. Hein. Et la petite fleur tout à l'heure, c'était du 14 CT. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Quoi dire dessus? Alors là, vous allez retrouver le dessin. Voilà. Votre légende de couleur. Alors, je suis en train de regarder avec la légende papier si on retrouve la même chose. Ah, bah, c'est la même chose. Ah, pour une fois, c'est la même chose. Donc, les deux légendes sont identiques. Voilà. Alors, au niveau des symboles, est-ce qu'on a des symboles qui vont être un peu plus difficiles à trouver sur la toile? Bon, là, on a la flèche comme ça, là, rouge, et là, c'est bleu. Alors, on va regarder directement sur la toile. Voilà, les... Alors, vous voyez, ici, voilà l'exemple. Là, ça va... attendez, je suis là. Alors, j'espère que ça ne floute pas. Vous voyez, on a des croix. On a des barres obliques, on a les petites pointes comme ça, et on a des ronds, tout ça dans la même couleur. Donc, il faudra faire attention. Ici, bon, ça va, on voit bien les croix bleues, le rose, c'est pareil, là, bon, pas de grosses difficultés. Où on pourrait avoir d'autres difficultés? Alors, ici, voyons. Ça va, je pense. Et il y a les obliques, les croix, des ronds. Bon, ben, ça devrait aller. Avec ma loupe, de toute façon, ça, je ne devrais pas avoir de problème. Vous voyez. Sinon, c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que c'est bien droit? Oui. Voyez. Ça ne déborde pas. Non, tout va bien. Tout va bien sur cette toile. Alors, vous avez ici vos deux aiguilles.
Donc, c'est les aiguilles 11 CT. Donc, elles sont un peu plus grosses que les aiguilles 14 CT. Et là, les bouts sont plus ronds aussi. Donc, voilà pour la broderie. Et maintenant, les fils. Je vais prendre. Hop. Voilà. Donc voilà les fils que l'on aura pour broder. Donc ici une palette de gris, un marron glacé, un gris très très clair, un rose. Comment? Ça doit être pour la peau, oui, un rose peau. Voilà, un petit rouge un peu bordeaux, marron, un orangé, bleu, beige. C'est même blanc cassé plutôt. Voilà. Ici encore un orangé. Là, c'est le. Alors le 3. Est-ce qu'il y a du 310? Non. Donc ça, c'est du. C'est du marron. Voilà. C'est du marron. Ici, on a deux vieux roses. Un beige clair. Un tout petit peu de jaune. Un beige doré. Et de l'autre côté, il nous reste deux couleurs. Il y a 20 couleurs, hein, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Un orangé et un beige. Pareil, très joli. Voilà, donc des jolies couleurs. Sur cette broderie, ben, on peut, après, si vous voulez, vous pouvez agrémenter vous-même avec des petites perles, hein, pour le rendre un peu plus joli, par exemple pour mettre sur les fleurs ici, voilà, dans les cheveux. Parce que je sais que le modèle original, normalement il y a des perles avec, mais bon, là il n'y en a pas. Elles sont pas prévues. La grille n'a pas prévu que l'on mette des perles, mais on peut en mettre. Alors voilà pour la deuxième broderie. Maintenant, on va parler diamond painting. Alors, le premier, le voici. Alors, c'est un 5D Shiny Diamond Painting. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un carré. Vous devinez pour qui c'est? Qui c'est qui va le faire? On a avec le petit toolkit, voilà, les perles en chapelet. Je vais vous les montrer en détail. Et je vais vous dire combien il y a de couleurs. Il y a 27 couleurs et c'est un DP qui fait 40 sur 40. Alors. Voilà. Et voilà les couleurs. Alors attendez, je vais peut-être enlever le flash. Voilà, on verra mieux. Un joli jaune. Une autre sorte de jaune. Alors ici, ça va être des roses et des couleurs beige peau. Voilà, le rose, il y en a un, deux, trois. C'est du rose très clair, hein? Ah, là, il y a une petite qui se perd. Un joli rouge. Ah, voilà les noirs. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup.
et un verre pomme. Voilà. Alors, tout ceci pour faire quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Tadam, tadam! Et voilà, et oui, c'est les nains de Blanche-Neige. Donc, on a tout le monde, hein? On a Dormeur, Simplet, Grincheux. Grincheux, on voit surtout sa tête. Après, je sais plus. Là, ça doit... Je crois que c'est Prof. Ah ben non, on voit pas. Oui, son corps est là, Grincheux. Oui. Là, c'est qui? Je ne me rappelle plus. Ah, Atchoum, je crois. Là, c'est Atchoum. Et celui-là... J'ai perdu son nom, hein, celui-là. Je ne sais plus. Celui-là, je ne sais plus son nom. Voilà. Alors, par contre, ce qui est tout petit peu dommage, c'est pas très, très grave, c'est que vous voyez le, voilà, le fond et voilà la barbe de Grincheux. Elle est en continu. Donc là, on voit qu'ils ont mis du gris pour couper, mais là, ils n'en ont pas mis. Donc, Chouchou va sur, très certainement en mettre, lui, pour, pas, pour que ça fait une petite coupure. Vous voyez, toutes les barbes sont faites avec des A et le fond est fait avec des A également. Donc, mais bon. Alors, on a un cadre. Il y a un cadre à diamanter tout le tour. Voilà. Là, il y a comme une petite dentelle. Alors, est-ce que vous voyez bien l'image? Mais comme d'habitude, hein, je vais vous remettre. Ah, j'ai. Si, si, non, excusez-moi, je croyais que j'avais oublié un truc. Alors. Oh là là, que ça floute, que ça floute. Ouais, non, je vais vous mettre l'image. Ici, on a en haut à gauche la légende, en bas à droite la légende, en bas quelques petites explications pour dire comment on doit faire. Voilà, la taille, la référence. Alors, sinon, côté impression, ben, déjà comme ça, je vois qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez? Vraiment pas de soucis. Et niveau colle, ça colle. Voilà. Ça colle même très bien. Donc voilà le premier DP. Donc un 40-40 avec 27 couleurs sur le thème des petits nains. Les nains ne sont jamais grands. Hein. C'est un pléonasme. Mais voilà, bon, lui, je ne sais plus son nom. Bon, si vous vous rappelez de son nom à lui, dites-le-moi. Là, normalement, c'est Prof, je crois. Et là, c'est... Je ne sais plus. J'ai oublié. Bah, dites-le-moi. Allez, je le range. Je vous montre. Alors, le deuxième. Notre deuxième Diamond Painting, deuxième et dernier. Et oui, les bonnes choses ont une fin, que voulez-vous? Alors, attention, sinon vous allez le voir. Alors, ici, c'est un 40-50 avec 22 couleurs. Pas du tout le même style que le précédent. Là, bien sûr, le toolkit, hein, comme d'hab. Les perles en sachet chapelet. Avec de jolies couleurs, pardon, par pente. Là, ça va déménager côté couleurs. Alors, je cherche le bout. Voilà. Ah bah, je vais commencer par celui-là. Allez, je vous montre ça. Ça, c'est un marron foncé. Vous voyez, les perles sont propres. Hein.
Voilà, non, c'est pas un vrai blanc ça. Non, c'est pas un vrai blanc. Là, est-ce que c'est les mêmes? Non, ce ne sont pas les mêmes là. Allez. Vanille, un joli orange, joli jaune, un autre jaune avec, non c'est le même, là il y a deux jaunes, un autre orange, un rouge avec un le deuxième rouge, c'est pareil. Vous voyez, c'est des couleurs qui vont péter. Là, ce sont pareils. Le noir, ça va, il n'y en a pas énormément quand même. Et je crois, ben voilà, ça y est, je vous ai tout montré déjà. Hop. Et maintenant, je vous montre. Attendez, que j'ai dans le bon sens, oui. Je vous montre le dessin. Ta-da-da-da. Alors. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors, je vais vous le mettre comme ça. Attendez. Je vous remonte un tout petit peu. Oui, un cheval en feu. C'est un cheval de feu. Et avec les rouges, les jaunes, ça va péter. Il va être magnifique celui-là. Avec un joli cadre noir, ça, je le vois déjà très très bien. Et le passe-partout noir surtout. Donc voilà le deuxième kit. Alors je vous montre l'impression. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous voyez? On voit tout bien. Oh, non, arrête de flouter. Ne floute pas. Je te dis de ne pas flouter. Non, mais c'est qui le chef ici? Téléphone ou c'est moi? Et là, dans les jaunes, pareil, vous hein, voyez. Sinon, côté colle, ça colle bien. Il n'y a pas de souci non plus de ce côté-là. Donc voilà, le deuxième DP, un cheval de feu. Qui a été choisi par Chouchou. Hein. De toute façon, maintenant, les trois quarts des DP, souvent, c'est Chouchou qui les choisit. Moi, je choisis les broderies, lui, les DP. Voilà, on a chacun notre petit boulot. donc là, c'est un 40-50, un petit peu plus grand que ce qu'il fait d'habitude. Bon, il fait des 40-50, mais souvent, c'est des 40-30. Mais bon, celui-là, de toute façon, en petit, il n'aurait pas été très joli, je pense. Vaut mieux qu'il ait une belle grandeur. Donc voilà! Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique Everyday Deal, que je remercie énormément. Qui me reconduisent toujours leur confiance pour les partenariats et puis leur générosité à chaque fois. Je les remercie vraiment beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à aller voir leur site, hein, ils ont de la très bonne qualité, ils ont beaucoup de choix. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, ça ne me rapporte rien. Hein. Vous achetez, c'est bien. Vous achetez pas, bon, ben tant pis. Mais moi, ça ne me rapporte rien. Là, je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus. Oui, j'étais en train de dire, donc je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos et également le lien de tous les articles que je viens de vous présenter aujourd'hui dans la vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Thank you.